Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du Star Wars Jedi Survivor en difficulté max sur PC. Et notre but est de retourner donc à la lune brisée pour aller à la deuxième partie où on n'est pas encore, allé en fait, tout simplement pour aller trouver et très certainement tuer Ravis ou le rallier à notre cause. Je pense plutôt qu'on va le tuer. Il n'a pas l'air très enclin à rejoindre notre cause. En plus, on lui a mis un coup de sabre laser dans le torse, il s'en est foutu. On lui a coupé la main, il se l'est remise. Bon, le combat contre Ravis va être spécial, je pense. Il faut qu'on se déplace. Alors, donc Kobo, là, on a masse rumeur, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est l'histoire principale. Je me suis un peu perdu dans les dernières VOD. J'ai fait pas mal de contenu secondaire. On va essayer de se recentrer. pour faire la quête principale. Elle a une pose bizarre, Meryn, là. Ça, pas trop mal au cou. Qu'est-ce qu'elle a? C'est pas du tout naturel, ça me fume. Qu'est-ce qui est... Pourquoi ils lui ont fait ça? Arrête. Voilà. Ah bah voilà, c'est mieux là. C'est beaucoup mieux. Attache ta ceinture, Cal. On va atterrir. C'est beaucoup mieux. Oh, la lune brisée, les panoramas qui sont exceptionnels, on le rappelle. Hein. Des droïdes vautours. Ravis a plus de droïdes séparatistes que prévu. On dirait qu'ils nous ont pas encore opérés. Tu peux atterrir? J'en sais rien. Le plus dur, ce sera surtout de redécoller, et j'ai aucune envie de me retrouver coincé sur ce caillou hanté. Tu pourrais toujours créer une deuxième cantina. Une franchise. Et si tu gardais tes vannes pour plus tard, Jetpack? Je peux cacher le Mantis. Je savais pas que ce vaisseau était équipé d'un champ de dissimulation. Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est parti. Les vautours sont droit devant nous. Laisse-la faire. Ok, ça c'était impressionnant. On va te déposer. Pratique d'avoir une sœur de la nuit dans l'équipe, hein. À vous aussi. Hé, petit. Reviens vite. Jetpack, à toi de jouer. Bien reçu. Oh, et j'aurais peut-être besoin de ton sang. Au cas où je fatiguerais. Ne le dis pas à Grise, mais il a raison pour cette lune. Elle est flippante. Sois prudent. On parlera plus tard. Ça sert à quoi? Quelque chose de bizarre ou de flippant, je veux pas en entendre parler. Tu m'as entendu? Pas grand chose de faire des discussions s'ils ont pas grand chose à dire. Alors du coup, c'est où le deuxième accès? C'est là-bas. Là, il y a du bruit là. Ah bah c'est le Mantis qui part, ouais. Bah salut les potes. Bah finalement j'ai pas envie de faire ma mission. Vous pouvez revenir. je suis pas chaud là. Je me sens pas prêt. On va aller au niveau du point de méditation là-bas. Les pillards bouclent toute la zone. Alors, méditons. Et... C'est reparti. Est-ce qu'on se TP directement là ou pas? Tu me diras, on va y être en deux secondes là. C'est où c'est là? Non. C'est là. C'est le vaisseau de Ravis. Il se dirige vers la tour. Ah oui, et là c'est parce que avant il y avait un
Il y avait un portail vert, je crois, c'est ça, non? La première fois? Non, je sais plus. Je sais plus si c'était un portail vert ou si c'était... Ah, ou si c'était plutôt une porte à soulever, ouais. C'était plutôt ça. J'ai déjà sécurisé ça, ne l'ouvre pas. Bonjour à tous. Vous ayez le... Merde. Vous allez souffrir. On a bien pensé. M'aider. Mettez ici. Il a le droit de faire ça. Il a eu tout le coup. Du coup, on s'est mis. On s'est mis le. On a changé notre tir chargé et on a mis le truc. On a mis le... On a mis le truc qui étourdit, pardon. Santari a peut-être caché. On a mis le truc qui étourdit, du coup, peut-être que ça va nous servir. Mais en fait, je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte que le tir chargé... En fait, on aurait peut-être dû plutôt prendre le tir chargé... Celui qu'on avait du début, mais qui se fait en AOE en fait. Parce que j'avais pas capté ça, mais du coup en fait c'est trop tard parce qu'on a utilisé nos deux. T'as remarqué quelque chose, BD ? Nos deux monnaies de chasseurs de primes, donc en fait il faudrait qu'on aille. Il faudrait qu'on aille retuer deux chasseurs de primes pour acheter le tir chargé de force en AOE là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas si grave. Oh putain, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'ils foutaient ici, eux? Mais qui sont cons? Qui sont cons, putain. Ils se sont fait littéralement oblitérer. Seule entrée, c'est par la chambre de lancement. J'aime pas trop l'idée non plus. Ah, y'a ça qui se lève quand y'a pas de laser? Ouais. Donc là je dois rentrer par là où il y a un laser mortel, c'est ça? Ok. J'ai pas du tout serré les fesses. C'était la fin de... Ça aurait pu être la fin de Calgestis, là. Ça nous éviterait de faire venir le matériel. Genre juste game over et tu recommences le jeu. Genre non, t'as même plus le droit de recommencer le jeu. C'est vraiment game over. Ton perso est mort. Ça te détruit ta copie du jeu, genre. Bien. Le mentis se veut attaquer. Du coup raccourci vers... ok, vers le... Attends. Ouais, c'est vers la grande porte. Ouais, c'est ça. Oh, je pense. Ok, après il y aura un raccourci ici, comme ça, ça fera raccourci une tour raccourci. Oula, il y a du monde ici. Il doit tout à son maître. Comment ça? Il n'a jamais été maître en un seul guéricou.
vois rien. Ok, mais ils sont tous morts. Pas besoin de voir. Pas besoin de voir quand ils sont tous tués. Bon, l'autre il se suicide aussi là-haut. Putain le bâtard. J'avais pas vu que c'était un... Ah j'ai pas le temps. Ah j'aurais peut-être eu le temps. Attendez, bougez pas. Voilà, reste bien là toi. Boum. Dommage. Let's go. Il y a encore du monde ici. Je checkais un peu les horizons. Alors là, il y a un truc. C'est quoi? C'est la suite ou du bonus? Ça m'a l'air d'être du bonus. Ouais. Il faut timer, putain. Veste de dueliste. Oh putain, oh la dégaine de fou. Oh la dégaine de fou furieux. C'est facile quand on a un gros rayon destructeur à nos côtés. Le jeu paraît plus simple, hein. Depuis quand dors-tu ainsi? Bientôt, tu chanteras à nouveau. Le réveil des géants. Hey Cal, tu m'entends? Je suis là. Tout va bien? Non, allez. Je voudrais pas te presser, mais dis-nous quand tu commences à revenir, ok? D'accord. Actuellement, je suis un petit peu occupé, quoi. Je suis vite fait dans la plomberie, là. Un truc à récupérer là. Sûrement pas le plan non plus. Ok. Y'a tout qui peut me tuer en un instant là, faut que je fasse gaffe. Ça fait un tour complet. Trop stylé. C'est Disney ou quoi?
de les prévenir. Les de la galaxie retiendra de la guerre des clones par la diplomatie. Ceux qui ont succombé à le raccourci du raccourci. Bah, il peut se louper en plus, hein. Si on fait pas attention. Que là, il fait skip une énorme partie en plus, donc c'est plutôt pommel là. Tu as déjà tué pour parvenir à tes fins. Tu n'es peut-être pas suffisant pour en plus. Je n'aurai aucune pitié. J'en attends pourtant de toi. Ma rédition est une prison et je n'y reviendrai pas. La cage est la seule véritable vie. La domination est la seule véritable vie. Ok. Je sais pas s'il y avait quelque chose à récupérer au milieu, mais ça bouge ça ou pas? Non, lui il bouge pas. Lui il bouge pas, je vais juste jeter un coup d'œil voir s'il n'y a pas un truc qu'on aurait pu louper, mais j'ai pas l'impression. Pas vraiment l'impression qu'on puisse s'arrêter là au milieu dans les anneaux et tout là. Y a pas l'air d'avoir de salle cachée non plus, donc Donc ça m'a l'air good. Il faut monter par là, dans une autre chambre de lancement. Ouais, une ça suffisait. Vraiment, pas verser les. C'est pas encore fini. Traverser les énormes rayons là. Ça fait un petit peu serrer les miches, on va pas se mentir. La persévérance te montrera la voie. Alors, est-ce qu'à tout hasard, il y aurait pas encore un truc à récupérer? Enfin, il y aurait pas genre un truc bonus là. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air, mais en même temps, je sais pas, ça m'étonnerait même pas trop qu'il l'ait fait. Ils aient mis un truc bonus, mais le problème c'est que là, si je. Ah, mais non, mais en fait, je m'en fous là si je crève. Enfin, parce que je peux pas vraiment crever en fait. Je sais pas. Enfin, juste je réapparais en fait. Pourquoi je me dis qu'ils ont forcément mis un truc, même si ça me coûte un peu de vie. On va voir. Moi je pense que ça vaut le coup. Let's go, j'en étais sûr. XP. Est-ce que j'aurais pu le voir sur la carte? Ouais, j'aurais pu le voir en plus sur la carte qu'il y avait un truc. Ok, je voulais juste voir s'il n'y avait pas un petit artefact à récupérer sur le rayon. On peut y aller. No, pas de regrets comme ça. No regrets. On peut aller ça. Non. L'ascenseur
doute qu'elle ait cru qu'on en arriverait là. Elle a fait des choix, mais si ça nous aide à nous débarrasser de l'Empire, tant mieux. Le combat approche. C'est différent. Ah, quoique. Je dois me recentrer. Il va y avoir du niveau encore. Laboratoire de la République. On doit continuer, BD. Il y a de l'ennemi encore. Thermorégulateur de laboratoire. Alors, ça a quoi comme gueule ? Oh putain, il y a un truc qu'on va pas pouvoir faire, bien évidemment. Ah, du coup, c'était en full ligne droite, là. Le niveau est grand, mais en fait, il l'est pas tant. Il l'est pas tant que ça, en fait. Ah, tu me diras peut-être avec le... Au vu du nombre de ballons, c'est peut-être ici qu'on va débloquer le... Le pouvoir... De se déplacer de ballon en ballon. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est ce que je me pose. Je me pose cette question depuis le début du jeu. Qu'est-ce que c'est ? Mais ouais, ok. Ah, ça va très certainement être ici, du coup, ouais. Restez en alerte. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Ennemi en approche. Let's go. Je poursuis l'ennemi. C'était très bon, hein. Il me faudra un style, mon pote. Dès qu'il y a du monde, ça devient compliqué. Donc le but, c'est de péter ça. Sauf que pour péter ça, il me faut un rayon. Ah oui, du coup, faut trouver une boule qu'on mettra ici. La boule est ici. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas 2-3 trucs à récupérer avant ? Oh ! Salut toi ! Bon, c'est vrai qu'il met des dégâts lui, j'avais oublié. Trop gourmand, mais du coup ouais, c'est vraiment pas mal hein, ce pistolet. Certes ça fait beaucoup moins de dégâts, mais putain ça t'apporte tellement de tempo. Alors c'est vraiment insane. Ok, donc là doit y avoir un truc bonus, j'imagine. Ça t'apporte tellement de tempo. Le pire c'est que du coup quand tu tapes le mec qui est électrocutifié, et ben ça te... Aucun test n'a réussi pour le moment. Ça lui prend même pas sa garde en fait, ça le blesse directement dans sa vie. Donc c'est trop fort. Trop fort. C'est le bordel ici un peu. On a une brèche du confinement. Catastrophe.
Comment que je passe en dessous, je peux? En vrai, je peux, mais bon. Le jeu a pas envie. Mais je peux pas faire quelque chose avec la porte, la dalle. Qui que fait quoi là? La bouboule. Je peux la faire traverser la bouboule là? Je peux casser la vitre? J'ai pas l'impression que je puisse casser la vitre. Est-ce que je peux jeter la boule quelque part? Pour la récupérer ensuite? Il n'y a aucune brèche. Ah, ou sinon je la fais glisser là. Elle va tomber là. Oh! Alors, je sais pas si c'était ça, mais. Mais ça a fonctionné. Cette technologie sur Kobo, ça a été fait ici. Le gadget qu'on a trouvé dans les flèches de pierre. Il peut servir. Tu vas t'en sortir. La vraie BD. Je pense pas que j'ai autre chose à... capter. Oh, c'est quoi ça? Trop petit pour être un Steam, c'est quoi? Piratage droïde DK. Appuyez sur machin pour pirater et prendre le contrôle des droïdes DK endommagés. Oh. Ok. Ah ok, c'est un sort pour BD1. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Pourquoi pas. Ouais, c'est les mêmes trucs que vend la... que vend la chasseuse de primes là justement. Elle vend et les avantages pour le pistolet là, pour changer le tir chargé. Et aussi les trucs contre les robots, les droïdes. Mais ok ouais, c'est des trucs pour BD1, je savais pas. Je savais pas. Ouais, je pense qu'on va débloquer, j'imagine, peut-être le pouvoir pour les ballons, pour après, peut-être pour revenir. Ce sera sûrement pour le retour, j'imagine. Voyons ce que Cree fabriquait. Santari. Dagan, qu'as-tu fait? Mon devoir. Arrête. Mais tu veux la même chose que moi. Sinon, pourquoi mentirais-tu au conseil? Tu t'es perdu. Rends-toi. Et on trouvera une solution ensemble. Viens avec moi. C'est trop tard pour ça. Tant de désespoir, Santari. Alors, tu la vois disparaître entre tes doigts. Mon désespoir vient de toi. Tanalor t'a transformé. Elle t'a changé aussi. Écarte-toi. Non. Alors je dois agir seul. Ah oui, d'accord.
construire un droïde médical et préparer une cuve à Bacta. Ah, c'est bête, t'aurais pu juste le laisser mourir et... Et le jeu aurait été plus court. Une technologie de la Haute République. Ça fonctionne avec mon grappin. Ah, voilà. On va pouvoir monter à la tour. Finally. Câble d'ascension amélioré pour vous agripper au perchoir pour vous propulser. Pourquoi ? Donc il nous reste plus que le pouvoir d'électricité à avoir ou un truc du genre. Bon, j'imagine qu'il y a des trucs à récupérer en revenant. En revenant en arrière avec tous les ballons qu'il y avait, mais bon. C'est pas grave. Ça marche. Je t'attends, Révis. Maintenez LT pour vous percher sur un ballon à grappin pendant un court instant. Visez avec R pour contrôler le saut de cale. C'est sympa en vrai. C'est sympa, c'est sympa. Je pouvais relâcher pour partir plus tôt. Mais je voulais voir combien de temps ça durait. Ah du coup il y a moyen de faire des parcours de fou avec, avec la techno des ballons maintenant. Ah, y avait un ballon là-bas aussi. Ah ok, c'est le truc bonus. Très bien. Modèle 13. Ça me faisait aller là pour ensuite aller là, pour ensuite aller là, j'imagine. Ah oui, non, en fait celui-ci me servait vraiment que aller au-dessus pour le bonus, j'imagine. Est-ce que je peux aller en hauteur? Je peux pas vraiment aller en hauteur en fait. Ah mais non, c'était là, ok. J'avais pourvu. Sûrement un truc à récupérer ici du coup. Bizarre de... Ouais. On va rapporter ce disque de données à Z. Ouais, c'est bizarre de ne pouvoir rien récupérer. Est-ce qu'on peut y aller là ou pas? Ok. La réponse est non. Et ça je peux toujours pas ça. Parce que ça justement ça c'est le truc électrique. Genre les bornes elles sont reliées à un truc électrique. Normalement. Ce terminal devra attendre. Du coup je peux pas y faire, j'ai la haine. Je rappelle 100% de la zone. C'était obligé qu'ils nous mettent un truc de merde comme ça à un moment. Ah bah oui il est là. Il est là le truc électrique. Petit bâtard. Ok, donc là ouais, on est revenu en arrière. Et du coup on est revenu au niveau du point de méditation. Et du coup on peut monter, ouais. Ok, ok. Bon, j'ai pas à me reposer. Ah, après, on peut se mettre peut-être les points de compétence.
J'avais dit que je me prendrais au moins le deuxième point de contrôle de masse, enfin de contrôle de masse, de mind control là. Celui-ci là, esprit confus, augmente la durée des attaques des ennemis confus sur d'autres ennemis. Parce que bon, on a vu que quand il y avait deux gros mobs, quand il y avait deux gros boss sur dans un combat, c'était quand même pas mal. On bouge. C'était quand même pas mal. Oui, du coup, en fait, si tu maintiens pas de base, il saute direct. Ok. Je remarque que du coup, il y a des... peut-être utiliser les rayons pour péter certains trucs. Mais non, je pense pas. Péter la matière noire. Mais non et non. Ah, ça y est. C'est le combat. OMG. It's time. Ouais. Revis. Jedi. Eh oh, j'ai un nom, hein. Pourquoi tu as activé le complexe? Cela a fait maintes années que je n'ai pas pris la vie d'un Jedi. Pourquoi tu as activé le... J'ai entendu. Jadis, Dagan me vainquit au combat, gagnant ma loyauté. Ah bah, j'ai juste à te battre, du coup. Nous combattîmes côte à côte. Faut que tu rejoignes notre équipe. Jusqu'à ce que les Jedi le trahissent. Il a fallu bien des Jedi pour me vaincre. Et pourtant, ils m'ont déshonoré. Ils m'ont refusé une mort de guerrier. Et m'ont laissé pourrir dans une cage pendant des siècles. Ainsi... Ainsi va la vie. Il semblerait que nos destinées soient liées. La chute de ton ordre m'a permis de m'échapper. Et pourtant, rien n'a changé. Tu restes le serviteur de Dagan. Le temps n'a aucunement affecté ma loyauté. Sans un code, on n'est serviteur que de soi-même. Où est le compas, Revis? Je ne te dois rien, Jedi! Rien! Si tu veux cette information, il va falloir te battre pour l'avoir. Of course! Je ne m'attendais pas à moins. Oula! Donc il a une masse télescopique. Pourquoi pas? Ok, ça lui fait rien. Révis le poulpe. Depuis 200 ans. Alors je te décevrai pas. Phase 2. Je
mettre ton poids. Donne-moi un steam. Un steam, Medic. J'étais pas du tout dans le... dans le combat là, enfin dans le... comment dire... dans le rythme. C'est plus du tout dans le rythme du combat là. Tellement pas rien, la caméra est affreuse. Ça c'est vraiment dommage quand t'es collé à un mur, la caméra est affreuse dans le jeu. Tu ne vois plus rien, genre tu ne vois plus ton personnage. C'est un peu dommage en 2023 d'avoir une caméra aussi éclatée, mais bon, tant pis. On va juste changer un truc qui est dans la posture. Avantage, non, je sais plus où c'est. Attends, j'ai quoi déjà en avantage? Les attaques sont plus... ouais. En posture de blaster... ouais. Ouais, c'est bien. Il faut juste qu'on rechange, changer de posture, changer de tir. Ouais, voilà, c'est ça. On va remettre la charge parce que l'étourdissement sert à rien contre un boss. Bien évidemment, sinon ça aurait été un petit peu trop pété. Je comprends que l'étourdissement ne fonctionne pas contre un boss de campagne. C'est plutôt logique. J'oublie qu'il fait un enchaînement dans la phase 2 après l'attaque rouge. Oh putain de sa mère.
Oh, la P2, elle est chaude. Elle est chaude de fou, la P2. J'appuie, mais je pense que je dois appuyer trop tard hein, pour que ça bloque. L'enchaînement est beaucoup plus rapide dans la phase 2. Le dernier coup qui part pas. Please, please, please. Arrête pas de crier. Quoi? Non. J'ai fait le... Oh putain, il y en a encore une d'attaque après. J'ai besoin de toi, BD. Mais pendant combien de temps encore? C'est pas encore. Ça fait. J'ai gagné ce combat. La liberté a rendu. Soit le Steam, soit la protection, quoi. Il est chaud, hein. Il y a très peu de frames où je peux l'attaquer, en fait. C'est beaucoup de défense et très peu d'attaque sur la phase 2. Je te brûle.
te faudra faire mieux. C'est parti. J'ai fait la contre-attaque, on l'a vu. J'ai fait la contre-attaque, mais il m'a quand même chopé. Ça doit être le cul, ça. Est-ce que P3 ? Tu as prouvé ta valeur. Est-ce que c'est une ruse ? Où est le compas ? À l'observatoire de Saint-Agri. Comme Dagan le pensait, j'ai ouvert le passage. Il s'y dirige. Je t'ai vaincu. Ah ! T'avais dit ? On peut affronter Dagan ensemble. C'est hors de question, Jedi. Après tous ces siècles, je rêve encore de Tanalor. J'espérais pouvoir... C'est soit tu rejoins mon équipe, soit tu te fais seppuku. Y'a pas le choix. Mais ça n'arrivera pas. Révis. Dagan. Gera, se tient sur ta route. Ou alors tu forces un peu et je te finis quoi. Un seul d'entre vous atteindra Tanalor. Jedi, accorde-moi une mort de guerrier. On est vraiment sympa quand même. Faut pas rester là. On lui a donné la mort qu'il a toujours voulu. Et ben c'était un combat très sympa. Voilà. Voilà voilà. Point de compétence obtenu. C'est un combat très sympa.
Je me suis bien amusé. Il y avait de la difficulté. Et c'était pas abusé. Donc c'est parfait. Nouvel avantage, centré. Ok. Genre je suis un mec centré quoi. Grise, t'es là? Je sais pas ce que t'as fait, mais ces droïdes vautours sont partis sans demander l'oreille. Zone d'atterrissage est dégagée. Je vais poser le mantis. Bien reçu. On t'attendra ici, gamin. Hey, gamin! Travis avait peut-être raison. Dagan a abandonné le code des Jedi. Et maintenant, regarde-le. Consumé par son obsession pour Talalor. Pourquoi trop stylé le retour. T'en fais pas le retour en mode déplacement. Déplacement dans les airs, là, en gros. C'est plutôt satisfaisant, on va pas se mytho. Glissade pour finir. Il n'y a que la force. On se repose. Et l'accès au mantis, il est juste là, je crois. Attends, le mantis, c'est au même endroit, hein, on est d'accord ? Tu ne tueras pas l'ennemi. Aïe, aïe. Ah, presque. Presque, presque. Il m'a enlevé genre 10% quoi. Si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Pylon Saloon, sur la lune brisée. Tiens, regardez-moi ça, il est pas mort. Comment ça va, gamin? Quel? Je sais pas ce que t'as bien pu faire là-bas, mais ça s'agite. Revis est mort. Ah ouais, je comprends mieux. Alors laisse-moi deviner, on retourne sur Kobo ? Ouais, je crois bien. Bon, alors, Jetpack, viens donc m'aider. D'accord. Prends rien à cet endroit, Cal. Fais attention. Alors. Pas maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Bon, d'accord. J'imagine même pas ce que c'était d'être là quand la lune a été détruite. Quel gâchis. Il y a quelque chose qui me plaît pas dans cet endroit. Comme quand t'avais peur de Datomir. Hé, minute, c'est pas pareil. On savait que la planète était mal famée, mais cette lune, c'est l'inconnu qui me fait peur, tu saisis ? C'est abandonné et ça queen. C'est trop calme. Ça queen. C'est bien aussi. Détends-toi un peu, hey, Grise. J'avais raison pour la planète de la sorcière. C'était une horreur. Oui. Des zombies partout. C'était vraiment une horreur, hein. Franchement, Datomir. Souvent confiance à mon instinct. Oh, Datomir, comment c'était trop et chiant. Calme, pas maintenant. C'était vraiment trop relou, Datomir, pour le coup, hein. Surtout la deuxième phase, je crois, la deuxième fois où on y allait. Oh là là, quand il y avait des sœurs. Pourquoi pas. Des sœurs de la nuit mort-vivantes de partout là. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant, putain. J'en ai pas un bon souvenir. Hein. Exploration 100% de la lune brisée. Bon, bien évidemment, il y a des objets qu'on n'a pas encore trouvés, mais. Mais la planète est visitée à 100%. Cool. C'est cool, c'est cool. En route pour Kobo. Mais du coup, ça veut dire que ça va être encore plus compliqué d'y trouver les objets manquants, vu qu'elle est déjà explorée à 100%. Ouais.
Vous savez à qui je me fais penser là comme ça avec la moustache et je sais pas pourquoi le bandeau. Ça me fait penser à Astérix. J'ai l'impression d'être Astérix. Mais ça doit surtout être la moustache en fait. Surtout la grande moustache, je pense. Il y a plus qu'à, je trouve, un casque de Gaulois là et c'est bon. Je dois vider mon esprit. Interroger ça avec l'holotable. Ok. Pourquoi donc ? Ok. Tu rumines. Encore. Tu lis dans mes pensées ? C'est pas une ruse Jedi. Je suis juste attentive. Sur la lune brisée, j'ai vu Dagan affronter Santari. Il était tellement obsédé par Tanalor qu'il s'est totalement égaré. Ça me rappelle mon combat contre l'Empire ces dernières années. Disons que je veux pas finir comme lui. Tu es très entêté, mais ce n'est pas l'ambition qui te motive. Je comprends pas comment elle a pas remarqué le changement avant qu'il soit trop tard. Ils ont rêvé ensemble. Ils ont souffert ensemble. Se réveiller d'un rêve commun n'est pas une chose aisée. C'est donc de ça que tu as peur. De te perdre. Oui. Un peu. Si jamais tu t'écartes de ton chemin... Je te mets une claque. On sera là pour te ramener. Le doute. Et de retour sur Kobo. Ok, bah je pense qu'on va se laisser là sur YouTube. Je vous fais des bisous et on se retrouve à la prochaine VOD pour continuer tout ça. Ciao.